à avoir une Sru Asdeka sur Smashville, sur TC, pardon, tu vas faire de très très grandes choses, tu vas tuer très tôt, donc ça c'est cool. Et bah pour Kazuya, tu peux aussi tuer vite. Le seul petit problème, c'est le moment où c'est sur DF, mais t'as quand même un petit peu de plateforme et tu peux essayer de temporiser un petit peu Asdeka pendant qu'il n'y a pas de plateforme. Donc on va partir directement, on va charger Deka Punch et se prendre ce laser directement. Ça va nous permettre de prendre 13%, mine de rien, c'est pas dégueu hein, ce petit projectile dès le début. Ça fait vraiment pas mal et là déjà faut que Bouscule arrive un plus à poser sur le jeu. Ok, la gramme, moi c'était un peu un missing punch, j'imagine ça va le faire un cargo faux, mais voilà, au début ça juste sur le choix. Attends, déjà l'électrique, le combo, est-ce que c'est la mort? Non, je pense pas. Ok, Bouscule allait sauter, du coup il a pu esquiver un combo un peu plus long. Attention, le down B qui va encore pas tuer. Et là vraiment, Bouscule, 30 secondes, il est déjà à 150%. Ouais, après c'est un petit peu le principe de Donkey Kong, on est au courant et là on va être un tout petit peu trop agressif et on pourra s'en mordre les doigts, étant donné on va se prendre ce gros backer, partir dans la blast zone, mais on a quand même réussi à gratter 71 petits pourcents. La DI full link nous empêchera de prendre le gros F-Smash, ouais c'est ça, le gros F-Smash. Et il nous reste, tu vois, cette Sru par exemple, elle va tuer à 90, tant mieux. Là où on aurait pu la match. Ouais, ça tue à 90, je sais pas, là ça m'a étonné de fou, tu vois. Ah, sur TC, ouais. Ok. C'est pour ça, en fait, c'est ce que je te disais, en fait, les Sru, elles vont nous permettre de tuer, même à, genre là, on est en danger de mort si on match pas bien. Ouais. Alors que, en plus, t'as moins le temps de match, vu que la Blast Zone est beaucoup proche, et donc ici, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses, avec Sru As Donkey Kong, donc tant mieux. Tant mieux, néanmoins ici on est arrivé sur le moment où on est un petit peu comme sur DF, il va falloir être attentif et le break shit, il fera trouver grand F smash et on va revenir complètement dans le match. Il est sur la dalle. Merci. Ici on va trouver le petit combo, 64% déjà qui sont inscrits sur ce compteur de ce bon Kazuya. Et ici on aura l'électrique backer qui bien sûr ne tuera pas encore, on va pouvoir essayer de survivre un petit peu plus, mais le saut qui sera catch avec ce nerf de Kazuya qui a cette particularité de pouvoir spike. Et oui, et c'est aussi un très très bon combo maker. Et là, est-ce que c'est Ding Dong? Ouais! Non, ah, pardon. Excusez-moi, je croyais que oui, mais non. Et la Forward Throw qui devrait. Ok. Tuer. Tu devrais tuer tout simplement. Ce ne sera pas la Forward Throw, ce sera le classique mix-up, pardon. Pax Throw et le. Un petit peu Tech Trap. J'aime trop quand il fait ça. C'est ça, ça. Non, c'est vraiment bien joué. Bien joué pour Bouscule. Bon, j'ai pas pu voir toute la game, mais Bouscule avait l'air d'avoir repris le momentum assez rapidement, donc bien joué à lui. Tac, et j'imagine que Slathead n'a pas forcément pu faire ses 0 to death ou jouer sur le fait que par moment bah, la map c'était DF et qu'il fallait abuser de ses forces. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que dans le chat, il y a un délai entre le son et l'image? Ou c'est juste non, nous? C'est que pour nous. C'est juste nous? Ouais, c'est juste nous à chaque fois. Et à chaque fois, je sais pas comment on met le chat parce qu'il bug. Oui, attends, regarde. C'est de la merde, t'es là. Oui, salut, attends, c'est chiant, comment tu... Ok, donc on sera parti sur Smashville, ça peut être un petit peu à l'avantage de Kazuya aussi, parce qu'on sera toujours plus ou moins au corps à corps, et ça on aime bien, mais pour des cas, on peut aussi profiter de nos backers, et vous le voyez, c'est une map sur laquelle Donkey Kong est du moins bousculade, et extrêmement à l'aise, et va dès le début de ce match inscrire de très nombreux pourcents sur ce Kazuya, et là on va rentrer dans les pourcentages de danger de mort, hein. Sur Agrab, ça peut être une fin assez inévitable, assez dure à prendre. Et je rappelle aussi, on est en BE5, hein, donc ce n'est pas sur ce match, même si on gagne, que tout se finira. On va charger le décapage tranquillement et se fait prendre que 79%. Et bah, c'est un petit peu une bonne, hein, parce qu'on peut mourir très très vite aussi, surtout face à Kazuya et dans ce genre de phrase. Et normalement, c'est la fin. C'est la fin, ce sera proposé ici une phase d'avantage et c'est soit 100%, soit la mort qui est infligée à ce Donkey Kong. Donc il faut être absolument précis du côté de Bousculade si on veut pas tout simplement finir dans les tréfonds des Blast Zones. Et exactement, et là attention, l'électrique, ok, normalement ça a mis input, mais ça a quand même réussi à faire 55% juste en 3 inputs. C'est une dinguerie ce personnage, attention le Don't Hit, ok, ça déjà bloque. Est-ce que ça va réussir à aller plus loin sur une petite phase de ledge trap?
Ok, ça prend ce temps, c'est très bien. On n'a pas forcément envie de tenter le ledge trap non plus parfois, parce que t'as le drop, ledge, side B, ce genre de choses. Un peu douille, un peu crade, le mash un peu... inexistant. Un peu tranquille. Un peu tranquille. On n'était pas trop inquiétés, on aurait dû, et ça va tout simplement, bah nous tuer. Nous tuer ici, et en plus, on n'arrive pas à venir tuer sur cette page d'Edge Guard. Donc un petit peu compliqué ici pour nos joueurs de Kazuya. Là c'est vraiment galère. Ok, bien vu le jab jack grab qui va faire une back throw, malheureusement qui va un peu lead sur Ya, le donner qui était le sour spot. Donc c'est tranquille. Ok, mais pour l'instant indiqué survie, j'ai rien dit, c'est pris un big laser, c'est ciao. Et dernier stock pour les deux joueurs, et j'irais plus un peu à l'avantage de Donkey Kong, mais c'est vraiment rien quoi. Bah en fait c'est un avantage mais sans en être un, parce que tu le vois dans ce genre de moment, s'il y a une phase d'avantage qui commence, eh bien malheureusement ici elle sera drop, mais on aurait pu en faire beaucoup plus, on aurait pu la mener beaucoup plus loin. Ici ce sera le backer qui sera trouvé, et sur cette phase de ledge rap, un grab pourrait suffire à tout simplement annihiler la dernière stock de ce Kazuya, et tu le vois ici. Là il suffit d'aller fiche pour un down air ou un backer, et ça peut mettre notre bon Siated dans de très très mauvais draps. Ouais, mais il faut attention parce qu'il a le rage grab et non. Bravo. Ok, bah bien joué pour Bouscuade. Attendez, moi je vais tester de faire un truc. Mais par contre, je me posais une question, c'est pourquoi Bouscuade n'essaye pas plus de faire des... Je connais pas les pourcentages, donc je pourrais pas dire. Mais genre à 90%, je pense que ça passe, non? Aucune idée. Je connais pas non plus, et aussi sur le fait que on le sait. Quand il fiche trop pour ses grabs, eh bien, ça devient une option prévisible pour les ding-dong. Et donc, bah, tu as vite le temps de te faire remonter. Et en plus, ça peut dépendre un petit peu de la rage, je crois, sur quelques petits pourcents. Donc, ça veut dire que tu peux sortir de la plateforme, de la période où tu peux trouver les ding-dong. Donc, bon. Ouais, je vois l'idée. Ouais, okay, mieux vaut pas les fiches. En fait, si tu vois que tu as l'occasion de le faire, vas-y, t'en essayes un ou deux. Mais sinon, en fait, faut pas trop pousser, essayer de tuer un petit peu d'autres manières. C'est un petit peu comme quand t'as le WAP avec Wario. Si tu fiches que pour ça, eh bien, tu vas devenir prévisible et ça ne servira pas à grand chose. Mais bon, revenons au match. Pour le moment, on a un Bouscuade qui s'impose 2-0 dans ce BO5, mais qui se retrouve un petit peu dans la panade ici avec cette phase de ledge rap. Donc, il va falloir se ressaisir un petit peu. Ici, si c'était backer, je pense qu'on mourrait, ça n'aurait vraiment pas fait plaisir, mais on a tout ce qui est beau et tout ce qui est mignon avec nous pour nous permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Maintenant, il va falloir réussir à survivre, profiter de cette rage en tant que Donkey Kong, parce que c'est ça qu'on veut, et je ne crains que ce soit... Je crois que c'est la mort. Je crois que là, effectivement, là, il a pas survécu. Mais on l'a, la tête est à 108%, et on s'en rappelle qu'il ne sait pas mash, du coup un grab, et c'est aussi la mort. Attention, le down B, ok, heureusement, le dernier qui va permettre de le sauver, d'éviter de prendre un bon 40%. Et là, il y a toujours le raise rap, donc quiconque peut clairement mourir à ces potages-là, il n'y a aucun souci. Bah en fait, là, il suffit d'une phase d'avantage et forcément, ça va faire monter à des pourcents presque indécents. Là, le drop ledge side B, je t'en parlais tout à l'heure, hein. C'est aussi pour ça qu'on joue pas forcément le ledge rap, c'est que si on sait pas faire face à cette option, et bien ça peut être extrêmement compliqué. Le footstool qui sera trouvé, on trouvera un petit upper là-dessus. Là, le dash grab sera loupé et c'est potentiellement la fin. Ce sera la fin de cette deuxième stop qui a été extrêmement bien exécuté de la part de notre bon Siated. Vraiment, bien joué Siated, juste une erreur et hop, les ciao, t'es mort. Ok, attention, est-ce que là ça va se reprendre? Non, ok, c'est tranquille. Ok, ça passe. Et là maintenant, faut que Bouscu il trouve des grabs. Là, c'est un peu dommage. Enfin, il n'arrive pas à trouver des grabs, du coup, il n'arrive pas à trouver des bonnes phases d'avantage. C'est plutôt ça. Et ben là, tu vois, même sans trouver de grab, on l'a, hein, cette phase d'avantage, et elle va venir faire des travaux colossaux. Le dash grab ici, néanmoins, qui nous aidera pas. La get up attaque pour nous sauver, down B, up smash, et maintenant, on est plus ou moins even. Là pour l'instant, ça va. Chaque phase d'avantage d'un perso comme de l'autre, en fait, c'est des pourcents énormes qui sont trouvés, voire des 0 to death en permanence, parce que c'est des persos qui, dès que tu fais une erreur, t'as trop de reward, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Oui, comme disait Gluto, ben, Donkey Kong, c'est un des meilleurs, voire le meilleur avantage du jeu, mais maintenant, il y a Steve et Kazuya, donc faut voir. Sur Ballon Roi, le DK Punch qui a été loupé, sinon Slated aurait été mort, je pense. Ouais, on mourrait là, clairement. On va bien trouver ce deuxième tick de down B pour nous permettre d'avoir cette phase de juggle. On est très patient aussi, hein. On voit que dans le shield, on se laisse pas avoir, et c'est potentiellement la fin. Attends, non, dommage. Il avait cru qu'il allait mourir. On s'est loupé sur le saut, je crois, du côté d'Alain.
Enfin, je crois que l'interaction était un peu bizarre. Ouais, c'est un peu spécial. Parce que c'est pas quand même... Je pense qu'il a voulu go le plus deep possible pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Mais je sais pas si c'était la DI ou parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il marche autant. Et du coup, il a survécu, il n'y a pas eu de soucis. On a senti effectivement une interaction un peu frileuse de la part de ce bon Donkey Kong. Et ça ne mènera pas à une game 3 rodée, mais à une game 4. Hop, attendez, je trouve juste un petit point bracket. Ok, non, c'est quoi ceci? Et là, du coup, ça va go sur Holo. Ah, vraiment, Holo, c'est clairement moins faux pour Donkey Kong. Après, c'est ça, mais c'était sur Smashville. Donc, entre Holo et Smashville, je pense que je préfère Smashville en fait. Je pense que je préfère Smashville. Bah, c'est très différent, hein, mine de rien, parce que c'est pas du tout la même portée, etc. Et ça peut permettre à Donkey Kong de respirer un petit peu plus, d'aller sur Holo tout en gardant un layout assez similaire avec cette plateforme du milieu et potentiellement aller trouver des meilleurs grabs, etc. etc. Oh. Et là, ce sera le side B. F-Smash, ça ne tuera pas, mais au moins on peut avoir un contrôle du terrain impeccable. Impeccable. En plus, ça a le DK Punch, donc là on est vraiment bien. Et ça joue à rôle distance et le double back air, c'est Mario. Et donc, Bushu qui va prendre la première stock. Ouais, un premier stock même très bien mené, mais il faut pas se laisser aller sur ça non plus, parce qu'on le voit, hein, 80% déjà, il suffit d'une phase d'avantage de Kazuya, et c'est la fin, le down B qui passera grâce à l'armor pour éviter ce F-tit, et on a que 36 petits pourcents d'inscrits sur ce Kazuya, donc il faut au moins aller en chercher une quarantaine de plus, si possible. Et là, on fiche pour le down tilt trip DK Punch. Très bien trouvé ici sur cette roll. Et on a une phase d'avantage extrêmement bien rodée. Là, les boulons sont lissés. Les boulons sont lissés. Et je commence à dire, Slatek galère un peu à revenir sur le terrain. Il veut trop reverse. Mais là, il a réussi à reverse en faisant l'électrique Godfist. Mais pour reprendre la stock, là, il faut juste que Slatek, il se calme un peu plus. Il fait des plus mouvements aériaux qui pose plus sur le jeu, je pense que ça ira. Et là pour l'instant ça a l'air d'aller très très bien, déjà 56%. C'est dommage que ça n'a pas tué. Mais là, on bouscule la dinguerie, 90% sur une seule phase. Et oui, on n'avait pas menti sur l'avantage de Donkey Kong. Ça a go sur une phase de ledge trap. Tu parles d'avantage, hein, mais Kazuya aussi là de très bonnes choses à sortir de son chapeau. Et ici on aura une bonne DI qui nous sera proposée par Alain Bouscula qui va nous permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Et on avait le mix-up du mix-up. C'était très beau, malheureusement ça ne passera pas. Et maintenant on a une stop d'avance, on a un Kazuya qui est à pourcentage de mort imminente. Et on a une très grosse avance de la part de Bousculade qui ici peut juste venir consolider, c'est pas trop interagir. Et là, ça doit être la fin avec Backstrong, ouais. Ah non, bonne DI. On va proposer El Bakker qui viendra crucifier notre joueur de Kazuya. Et ce sera un 3-1 assez sec que nous proposera Bouskelan, même si on a bien joué. On a bien joué du côté de Seattle, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Et Alain Bouskelan qui nous montre qu'il n'est pas top 3, clairement, pour rien.